Et salut tout le monde, c'est Jean-Yop et on se retrouve pour un nouvel épisode de cette série des Achievements. Alors aujourd'hui, j'ai récupéré ma pioche que j'avais laissée dans le coffre du haut. Et on va essayer de récupérer le stuff qu'on avait perdu à cause des mobs qui se trouvent en bas, comme on peut l'entendre. Alors ils doivent pas être si loin que ça, hein. Mais bon, c'est les mobs qui posent problème. Clairement. J'ai juste récupéré la pioche qui était dans le coffre du haut. Bon, on va prendre des risques. C'est vraiment quelque chose de bête que ce que je viens de faire. Enfin, moi personnellement, ce que je viens de faire, puisque je tourne cet épisode à la suite du premier, donc je ne verrai pas vos retours. Ça fait flipper quand on entend tous ces mobs. Peut-être y aller doucement, parce que j'ai pas d'épée. Ce serait sympa d'avoir le squelette. Tout de même. Oh là là, le nombre de mobs. Je prends des risques. Moi, je m'en doutais. Si seulement ça pouvait pousser. Eh ben non, ça ne pousse pas. Ça ne pousse pas. Vous voyez, c'est la galère. Je veux quand même absolument avoir ce que je veux. On va laisser pousser les trucs. S'il faut, je ferai une ellipse. Je ferai une ellipse en attendant que ça pousse. Le fer, on va le laisser ici, on ne sait jamais. Me connaissant, je serais capable de perdre. Ce serait dommage de laisser tout le stuff qu'on avait et pas faire exploser l'or. Non, s'il te plaît. Si on faisait péter. Ouais, fais péter tout le monde, toi. Ouais, vaut mieux que les creepers fassent péter. Péter tout le monde. Ouais, bon. C'est pas la peine. Je fais une ellipse en attendant que les arbres poussent. Allez, à tout de suite. Deux poussées. Je viens de relancer le record. Donc c'est parti. On recoupe du bois. Comme au tout début. Mais bon, on fait avec. Hein. Et je vais pas me faire piéger, on va tout de suite en replanter, hein, sans plus attendre. On recommence du début. Non, pas forcément du début, mais ce que je veux dire, on va avoir quand même une épée en fer. Donc ça va être plus pratique pour nous de s'attaquer aux mobs. Allez, je veux du bois. Bon, j'espère que mon stuff n'a pas dispawné. C'est ma plus grosse crainte actuellement. J'aurais vraiment cru que ce serait pas si que ce serait pas si difficile. Toujours pas. Allez, donne-moi des saplings. Donne-moi des saplings. Ok, ben bah j'ai rien du tout. Ah si si si. Si si si. Ici. Voilà. Super. On va se faire des épées en bas. On va se faire des épées en bas. Non, une épée plutôt. D'accord, je fais n'importe quoi, désolé. Hop, on va se prendre notre fer qui cuisait tout à l'heure. On va nous faire épée et pioche. J'allais dire, on pourrait se faire des boots, mais non, pas du tout. On n'a pas assez de fer et on est parti pour l'aventure des mobs. Coucou toi, ça va? Ça pète? Ouais, c'est bon. On va chercher des torches. Parce que si ça... Ça pète, enfin vrai compris. Si ça respawn derrière moi, j'aurai des boules. Plus il y a des Enderman. Oh là là. Allez, on va y arriver. Fous-toi.
pas de lock. Putain, le bordel. Oh, le bordel. Allez, on va régénérer un peu. Oh. On va pas trouver du fer sur le côté, là. Donc on a un peu de chance. Non, pas du tout. Pas du tout. On veut juste voir les achievements qui nous restent. Ouais, bon, on est loin, quoi. Ramasser du cuir. On peut ramasser du cuir, on a une vache. En haut. Donc, c'est possible, on va voir notre magnifique vache qu'on avait en haut. Et la tuer, le temps qu'on régène un peu. Puis, au passage, on fracture de la boue. Ah merde. Pas de cuir. Bon. Ben on va faire... Ah si. On a une vache. J'ai une dernière chance. Ouais. Nickel. Donc les World Border. Ça grandit. Donc notre espace vital, ça grandit aussi. On a au moins un cuir. Pour faire un livre. Pour pouvoir faire notre table d'enchant. Faire cuire la bouffe. Pour ramasser aussi le charbon. Qui traîne là. On va bouffer. Pour récupérer un peu des forces et pour combattre la prochaine étape qui est de killer tous ces mobs et miner tranquillement. C'est pas de la tarte. On y va sans plus attendre. C'est vraiment compliqué hein. c'est pas facile. Parce que pour le coup, vu comment on est stuffé, c'est pas évident. Non mais vraiment pas. Pour le coup, je vais aller chercher ma bouffe. On va pas rester sans. On peut essayer de les quitter aux œufs. Allez, venez, 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 mes cocos. Tuez. Entretuez-vous. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais on va y arriver. Enfin, j'espère. Là, ils se tirent entre eux, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Ils s'entretuent. On l'entend. Tant mieux, j'ai envie de dire. Mais si. Ouais, bon, là j'ai pris trop de risques. J'avoue. Et voilà, encore une mort. Ah là là là, je fais vraiment n'importe quoi décidément. On va rechercher notre stuff, espérant qu'il n'y a pas. Il n'y a pas trop de problèmes. De toute façon, il était juste en face de l'entrée, donc j'ai envie de dire. C'est pas trop difficile. À moins que. Hey, on ne sait jamais. En plus je lag, c'est incroyable.
Voilà, comme ça c'est fait. Vous savez quoi? Je vais lipser. Je vais faire ça tout seul. Parce que les mobs. Oh, c'est pas mon dada. Et je vais lipser, je vais faire ça moi-même et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. De save la zone après plusieurs morts de suite. Oula, je suis encore en combat avec les squelettes. Dégage. Bon, j'ai réussi à me récupérer. Ah, on a un arc, c'est magnifique ça. J'ai toujours mon charbon. Où est mon charbon? J'en avais tout à l'heure. Mon charbon. Bon, tant pis, je peux en miner. Je sais pas, j'ai perdu plusieurs fois du stuff et bon. Ça m'a pris du temps. Mais au moins, ça c'est fait. On a plus rien. On a. Niveau mob, on est tranquille. Pour l'instant, j'ai envie de dire. Bah, à mon fer, j'ai plus de fer du tout. Donc, ça va être la galère. Ça va être la galère. Du lapis pour les enchantes. C'est toujours pratique. Ça a été pour moi très difficile de tout faire. De faire ça. Donc j'en suis satisfait, je suis content. Au moins ça c'est fait. Par contre, pour les épées, là j'ai plus rien pour me défendre. Donc, on va remonter un peu plus haut. On va faire ce qu'il me faut. Hop, voilà. Une petite table de craft. Au passage. Toujours plaisant. Se faire une épée en pierre. J'ai ce comeback âge de pierre. Alors les succès, les succès, les succès, on en est où, on en est où? Tuer à plus de 50 mètres, donc 50 blocs il me semble. Sauter d'une falaise à d'autres cochons, c'est pas possible. Ah, ça, ah merde. Ah ça c'est... Comment dire? Bah ça va être la galère. Parce que c'est pas possible. Faire du pain sur la planche, donc faire du pain sur le gâteau. On va faire du pain. Allez, hop, on va essayer de faire du pain. Tant pis pour les vaches, je me permettrai de les summon. Je suis désolé mais bon. Je les ai tués comme un neuneu. J'ai pas réfléchi avant. Donc on va faire du pain. C'est ce qu'il nous demande. On n'a pas de... Ah mon seau, je l'ai perdu dans le... Je l'ai perdu tout à l'heure, donc tant pis. Pas faire autrement, malheureusement. Par contre, on a des os, on a des os. Donc ça va être très 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 pratique. Donc heureux, désolé pour ce petit intertemps. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Je dis des trucs, mais alors que je n'en sais rien du tout. On va faire du blé, donc déjà le avoir du blé qu'on soit tranquille pour les graines, pour pouvoir faire reproduire nos poulets, ainsi pour pouvoir récolter du blé. Par contre, on a des bâtons qui deviennent un peu partout comme ça. Ça me plaît pas. Est-ce qu'on a déjà une... Ouf, non. On va un petit peu arranger le haut avant de continuer le bas. On continue de miner. Quoi? Quoi ce bordel? Ah oui, c'est le spawn, c'est pour ça que cela ne veut pas. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, une houe. Une houe. Voilà, on fait pousser pour faire du pain, pour avoir un achievement. Bon, pour les vaches, je me permettrai de les summon. Je suis désolé. Je suis désolé, mais je peux pas faire autrement, malheureusement. Et voilà. C'est ce qu'il nous faut pour faire du pain.
On a deux pains. Voilà. Et on va faire pousser les arbres. Si on y arrive, on y est arrivé. C'est magnifique. Une hache. Si on pourrait avoir une pomme. Sans trop en demander. Est-ce que ce serait possible? Oui, non, oui, non. On va replanter. Au cas où. Au cas où, au cas où, au cas où. Ah bah on n'a pas. On n'a pas de sapling. C'est chiant. C'est très chiant. On va voir si t'es avec. Ah, on peut faire pousser. Non. Ce n'est point impossible. Allez. Ouais, nickel. On va faire reproduire nos. Ah, il y a une petite vache là. Peut-être pas la perdre. La cocotte. Et merde. Allez, accouplez-vous. Faites un bébé. Faites des échelles. Pour pouvoir remonter. Hop. Les bois dégagent. Des échelles pour pouvoir rentrer tranquillement. Et pour sortir d'ici. Et merde. Bon bah au revoir le bébé. Hein. Au revoir le poulet. On en a moins deux. Ouais, on en a moins deux. Donc c'est bon. Alors, les poulets, je vous rappelle, ne montent. Allez, bon, on va essayer de la faire rentrer celle-là. Et je n'ai point de graines. Donc on est dans la merde. On va la faire tomber. Tant pis. C'est bon. Non? Mais qu'est-ce qu'elle fait? What? Fuck. Oui. Non, non, t'en vas pas. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. On redescend dans les cavernes souterraines. Ici. Ah, on a l'eau, mais j'ai plus mon seau. On va voir si on peut. S'il y a pas un peu de minerai dans ce coin-là, en minant. J'espère que oui. Et après, la reproduction. Qu'est-ce que c'est. On a l'âge de fer, des diamants. Surpuissance. Duel de sniper. Chasseur de monstres. L'aéroport. Jeu de mots. Face à coupler deux vaches avec du blé. Voilà. Cerise sur le gâteau. Hop, hop, hop. Ouais, en grosso merdo, c'est du diamant, quoi. C'est du diamant. On va essayer de miner en ligne droite. Je sais que c'est pas. Enfin, miner en mode. En mode gros bourrin. À la couche 11. En mode gros bourrin. Ouais, je veux du diamant là-bas. Je sais pas si vous le voyez, moi j'en vois. À la couche 11. On a de l'or. Magnifique. Ça va nous être pratique pour la pomme d'or. Pour l'enchantement. On a la couche 15. Ah, du fer. On est content. On a quoi là? Un lac de lave. À la limite, on s'en fout du lac de lave. Hop.
J'ai envie de rien dire. J'ai envie de rien dire. Décidément, la chance ne nous sourit pas. On peut plus rien faire là. Clairement. Comment peut-on faire? Bon, je. La seule chose à faire, c'est de me restuffer. Je vais attendre que le fer cuise. Que le fer cuise. Que l'arbre pousse. Je vais me restuffer tranquillement. Et on verra après. Allez. A tout de suite. Donc, re tout le monde, on se retrouve après le fail. Je me suis fait un minimum de stuff. J'ai dû attendre pas mal de temps avant que cette sapling pousse. On a perdu l'arc. On a perdu beaucoup de choses. Et ouais, bah c'est comme ça, j'ai envie de dire. Et on va faire avec. Couteau. Ça m'apprendra à faire plus attention. Voilà. Faudrait que je fasse plus attention. C'est clair. Bah on va faire un four, on va tout recommencer. Enfin non, pas tout recommencer, on a quand même des cavernes quoi, donc on n'a pas totalement tout perdu, j'ai envie de dire. Par contre j'ai rien à faire chauffer. Heureusement il me restait une pioche dans le coffre que j'avais que en haut, donc c'était parfait. On va retourner à la couche 11. Couteau. Pas faire la même erreur. Faire hyper attention. Parce que tout qui tombe dans la lave, on a les boules, forcément. Parce qu'on peut plus le récupérer. Oh! Ah bah merde. Ah, ça doit être le Stronghold. Il doit bien avoir un Stronghold. Oh là là, une witch. C'est mauvais signe. Non, dégage avec ta potion. Ouais, ça doit être un Stronghold. Ou un quelque chose. C'est une structure quoi. Putain. Bon, j'ai réussi à pas tout récupérer. Si on se protège, on peut s'en sortir. La bouffe. Impossible de faire ça. On a vu une tête de Wither, vous l'avez vu avec moi. Bon. C'est sur cet épisode qu'on va se laisser. On va se retrouver pour un prochain épisode de cette série. En espérant que la chance nous sourira plus au suivant. Allez, à tout, à plus tard. Yes, I'm cooking for my son and his wife. It's his 30th birthday. Pour eggs into my bowl and milk of 2 months ago. It's moldy, mom, isn't it?